de plaisir de temps en temps. J'espère que tu vas bien. Je salue tous les petits cousins qui sont avec toi, voilà. Et je suis en compagnie de Rémi, de Rémi 33 qui est à la croix. Je retourne le micro. Oui, les bottes 73 à toi, Gilles, 4-9, bravo, Charlie, 5-5-5, en mobile, tu es. Ah, ça passe, difficilement, mais ça passe quand même. Et aujourd'hui, la propagation est un petit peu à sens unique, car tout à l'heure, j'arrivais à vous entendre un petit peu les uns les autres, mais ça va l'air d'être à sens unique. Affirmatif, 100% QSL. Je suppose qu'avec le président Jackson, tu dois avoir quelque chose qui te permet de pousser un peu plus pour essayer d'arriver à la même puissance qu'au QRA. Oui, 100% QSL. Eh bien, de mon côté, c'est du Radio 4, on va dire, et Santiago 4 aussi. Voilà, c'est quand même assez bien. Hein. Eh bien, puisque tu es là, là, je suis en train de faire une petite vidéo en même temps. Comme ça, tu pourras voir ça, là, ben, dès qu'elle sera mise en ligne, Hachi. Ah, j'ai pas tout vu QSL. Sur le groupe, je t'ai mis deux vidéos hier, celle où on était ensemble, avec où on entend à un moment donné un perturbateur là derrière, plus une deuxième vidéo où j'ai fait un très court QSO avec un mobile maritime. Retour Gilles. Hop là, tiens, ça me l'a fait ici, là, le coup. J'ai pas eu le temps de voir, je regarderai sur la vidéo. J'ai une sécurité qui s'est enclenchée. Eh bien, toi, heureusement que je suis en train de filmer, comme ça, je pourrais voir sur la vidéo, là, ce que ça donne. Et la vidéo, là, je viens de la commencer, il y a quoi? Il y a 3-4 minutes, là, c'est tout. Hein. Ouais, j'ai entendu une alerte, là, au niveau du poste. Je verrai après, en visionnant la vidéo, là, ce que ça m'a affiché. C'est qu'il y a quelque chose, hein. Ouais, attends, je relâche. Bon, voilà, j'ai baissé un petit poil l'alimentation. Bon, je me fie pas trop à l'aiguille, je suis pas sûr qu'elle soit très très juste. Celle du cadran que j'ai là dans ma boîte, je l'ai réétalonné par rapport à mon voltmètre, à mon matrix. Donc là, alors 12,5 V, ouais, c'est ça. Ouais. D'un côté sur la lime, ça m'affiche 13,8 V. Sur mon le vu-mètre à l'intérieur, 12,5 V. Bon, ça va, je suis dans la fourchette. Côté en mobile, des moments ça monte, ça descend, ça fait un petit peu yo-yo, mais je sais que ça ira mieux tout à l'heure quand tu seras revenu vers le cœur. Retour à toi, Gilles. Ouais, j'ai un petit peu de mal à le sortir là, c'est vrai que là en mobile comme ça c'est pas toujours évident quoi. Le retour avec. Ok, pas de soucis. Bon Gilles, tout à l'heure de toute façon ça passera un petit peu mieux, voilà, parce que ça va monter un petit peu, en plus il est quoi, il est 15 h chez nous, donc ça va pas tarder, ça devrait se dégager après, voilà, retour à toi Gilles.
passer sur l'horizontale, peut-être que ça va un petit peu mieux, parce que là, c'est la verticale, là, c'est un peu difficile. Voilà. Ah ouais, non mais j'ai du mal à le sortir là. Là c'est vraiment très très QRP de mon côté. Hein. Ah puis alors les rues derrière. Ouais. C'est que j'ai un problème sur ton installation, là, il y a quelque chose. Ouais, mais là, après, bon, quand je vais adorer la vidéo, là, je verrai bien ce que ça donne, quoi. Il faudrait que tu mettes affiché en permanence ton TOS. Tu peux le laisser en permanence affiché quand tu es mis. Ouais, il faudra que je regarde ça. Mais d'abord, je veux d'abord voir ce que c'est, là, ce message, là, que ça m'a mis en alerte. Hein. HD c'est hot, ça veut dire height, height c'est haut, ça veut dire je pense que c'est quand tu vois HD haut. Ouais, non, mais pour l'instant, là, toi, là, ça ne me le refait pas, là. Ça l'a fait juste là, un coup, là, sur le moment. Pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est, là, encore. Attends, je vais arrêter la vidéo pour le moment, là, c'est pas la peine que je laisse tourner, là. De retour, Eric. Ok, il y a Gilles, là, c'était un peu plusieurs fois, là, ça passait bien, il n'était pas là. Ah, zut. Il y a des endroits comme ça où vous ne voulez pas qu'il y ait de station installée dedans. Combien de langues il parle, lui ? J'hallucine. Eh ben, 73 à toi, là, ce coup-ci, je t'entends beaucoup mieux, là, Gilles. Et combien de langues tu parles, en tout ? Parce que moi, je comprends plus rien, moi. Ouais, je vois de quoi tu parles, de la langue fourchue, c'est ça, hein? On dirait que ça répond au message perso, là, sur Facebook, c'est ça? FBI, hein, c'est ça? FBI. Je trouve que tu te débrouilles bien déjà, oui. Parce qu'alors là, une langue, déjà, parfois, ça coince. Alors, autant de langues comme tu parles, ah non, moi, je peux pas. QSL, mais tu vois, c'est la radio, hein. À force d'écouter, on vient à un moment donné, on vient à vous entendre le début de la conversation, mais quand c'est pour poursuivre la discussion, alors là, c'est pas tout à fait du même. QSL, Rémi. Ouais, 100% QSL. Donc alors, ce petit déjeuner ce matin, il a été bon? Oui, on a mangé un bon petit déjeuner ici, là. Un bon petit gruau ici ce matin, là, avec un petit bol de fruits et puis mon petit verre de lait, là, comme l'habitude, QSL, Rémi. Ton petit verre de lait? Ah ben? Ok. Ah d'accord. Eh bien, il y a des habitudes qui se perdent pas, hein. Ouais,
Voilà, j'en ai profité en même temps que je t'écoutais là, d'aller voir, de regarder un peu le WX. Bon ben, comme Eric te l'a dit tout à l'heure, nous ici sur le sud-ouest, eh ben il pleut. Voilà, bon c'est pas beaucoup, hein, mais il pleut un petit peu. Et côté température, eh bien on a 18 degrés là ici là, en ce moment. Hein. Ok, d'accord. Autrement, continues-tu? Est-ce que tu continues à prendre la moto quand même? Ça fait, comme je disais, ça fait environ un mois. C'est pas plus que je n'ai pas tourné le moteur. Beaucoup de boulot et tout. Alors, avec la préparation un peu pour la propagation qui arrive à notre porte, fait qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion. Avec l'heure que j'arrivais du boulot à la maison, était rendu un peu trop tard, un peu trop froid. Mais prochainement, je pense de faire une petite tournée ou deux là, avant de stationner la moto pour le reste de la saison ici, Rémi. Ouais, ok, ben moi en ce moment, ouais, c'est vrai que je la prends tous les jours là, en ce moment, la moto. Hein. Mais bon, la température n'est pas les mêmes, est pas la même, les conditions sont pas les mêmes non plus. Et là-bas au Québec, c'est à partir de quand que vous avez pu le droit, de quelle date que vous avez pu le droit de faire de la moto en hiver? Ben tu vois, ici, là, dans le fond, là, on a le droit à toute la saison hivernale. On a le droit à tous les 12 mois de l'année parce que nous, on fait les plaques. La plaque, là, toute la saison, là, toutes les 4 saisons complètes. Mais c'est qu'ils obligent ici à le louer sur les pneus avec des clous, là. Avec des clous, alors, si une personne veut ajouter des clous sur la moto, ben il peut continuer à conduire la moto pour toute la saison hivernale, mais c'est pas trop évident avec des clous, qu'est-ce que c'est? Oui, affirmatif. Sinon, tu as la motoneige, donc ça te permet de continuer quand même à faire de la moto. Oui, avec la motoneige, mais c'est sur des chantiers, légaux, qu'est-ce que c'est? Ah, ok, d'accord, 100% QSL. Et là, tu devrais bientôt avoir de la neige, là, de ton côté, là. Oui, ça s'en vient très prochainement, là, très bientôt, parce qu'on a eu des petits aperçus, là, des petits flocons qui sont tombés ici et là, mais aucune accumulation au sol de notre côté. Ok, d'accord. Eh bien, là, je suis en train de monopoliser un petit peu le micro. Là, ça a été bien sympa. Je vais faire un retour de micro la goutte du côté d'Eric. Parce que là, moi, ici, sur le QTH, j'entends personne d'autre, là, derrière, là. Peut-être que lui, de son côté, Eric, il entendra du monde qui voudrait faire rentrer dans le QSO. Retour à toi, Eric. Ok, merci pour le retour de micro. Mais de mon côté, j'entends personne. Je laisse un petit blanc. Il y a des stations de la 14 qui veulent parler avec notre petit cousin. Je vais aller. J'étais inquiet, puis à l'écoute. Oui, ok, j'ai entendu Pierrot qui est pas très loin chez moi, Gilles, je vais lui retourner le micro. À toi, Pierrot. Ben oui, très bientôt. Nous n'avons pas de neige, on a commencé
c'est un peu trop tôt encore. Mais très bientôt, là, on va se lever quelque part matin, là. Et puis, il va falloir sortir la pelle, là, QSL. Gilles Golf India Lima Lima Eco Sierra Viro. De retour à toi, mon ami. Puis le QTH est situé sur la ville de Gatineau, Québec. QSL, QSL, très bien noté, 25 km au sud de Bordeaux. Ça fait plaisir de faire un petit contact, voilà. Voilà, Gilles, pour info, c'est notre doyen, tu vois, Pierrot, c'est notre doyen, tu vois, c'est notre papy à nous. Oui, ça, ben, tu vois, quand la propagation nous ouvre la porte, là, ça arrive quand même assez bien, c'est comme du téléphone, Eric. 100% QSL, voilà. Allez, je laisse un petit blanc derrière. S'il y a la première station de la 14 et qu'il veut parler avec les petits cousins, c'est le moment, allez-y. CDT 548, Guy à l'écoute. Et 73, Guy de la 14. 73, les cousins, il y a des stations qui sont très petites, que j'ai du mal à ressortir. S'il y a un QSP possible, il n'y a pas de problème. 73 pour Gilles, retourne à Amitié. Je crois que Guy, le micro lui fait peur. Hachi. Ah, mais je crois que c'était pour moi, mais je viens pas à bout de ressortir. Là. J'ai un genre de moustachage ici, de côté-ci. Là. Je sais pas si c'est en force de mic, mais j'ai un moustachage de longue fréquence, je crois. Ah, mais là, Chilo, si on t'arrive comme la tromba, voilà. C'est comme si on t'arrive sur les genoux, Gilles. On t'attend, Gilles, on t'attend, il n'y a pas de problème. QSL, QSL, qu'est-ce que t'as pas aimé, là, c'est dans les idées claires. J'ai une chambre de libre, là, au QRA, il n'y a pas de problème. Et pour la moto, il n'y a pas de problème aussi. Oui, vive la moto. Ah, je suis moustaché par les pays de l'Est, je crois, là. Là, qui sont en AM ou en FM. Ouais, ouais, c'est ça, là. Ça m'a presque surmodulé, Gilles, là, pour le coup. Hein. Oui, dommage que j'ai pas un kilo whisky ici, là. Un kilo whisky, je pense que ça ferait la job, là, Rémi QSL. Pour le coup, tu grilles toutes les stations qu'il y a autour de chez toi, gars. Eh, Gilles, moi, j'ai pas le kilo, là. Mais si tu veux, j'ai du whisky quand tu viens là. QSL, QSL. Ah oui, un peu de whisky, là, ça tue les fils d'araignée, le QSL. Affirmatif, il n'y a pas de souci. Bonjour Gilles, avec ta permission, Eric et Rémi, on va laisser la chance d'entrer dans le QSO. Bonjour Gilles, je ne sais pas si c'était parlant par Polyma 38. Bonjour Gilles, en avant, tu as vu? Oui, en avant de la station. Opérateur Franck, je crois, 0,80. Concert gratuit, je précise.
C'est sympa ça, on a même droit à un concert gratuit. Quoi. Ouais, vu le style de musique, Gilles, c'est bien de ton côté, hein. Mais ça peut arriver du côté d'Ontario avec une antenne directive. Tu as des fans, Gilles, qui t'accompagnent en musique. Bravo, Gilles. Oui, la combinaison qui appelle ici Rémi. Désolé, mais là, je crois que je vais couper la radio. Là, c'est bien horrible. Bon, ben, nous revoilà déjà de suite, mais sans musique ce coup-ci. J'arrive pas à le sortir. Oui, 759 plus 10, merci beaucoup. Je t'entends des bonnes conditions ici aussi, Bernard. C'était pas facile à décortiquer, mais si vous avez entendu la chose comme le fond pour moi, j'ai pu savoir que c'était 41-59, Bernard. Avec les années, vous pouvez reconnaître mon ami Gretel. De retour à toi le micro, Bernard. Thank you.
Les pays de l'Est, oui, parce que là, le Québec, là, je suis en train de les perdre. Ça devient pas très intéressant pour le moment. J'ai coupé la vidéo. Ouais, j'ai coupé la vidéo. De toute façon, la propague va revenir tout à l'heure, il n'y a pas de problème. C'est le robot de Facebook.
mon ami. Oui, puis il y en a beaucoup trop. Point, là, j'ai un petit téléphone, mon ami. Il n'y a aucun souci, là.
56. Bon QSO et merci beaucoup mon ami. QSO. Ok, 007, attends deux secondes. Break Gilles. Oui, affirmatif, voilà, j'ai une station mobile qui est pas très loin de chez moi, c'est 14 ODR 007, qui voudrait te passer un petit bonjour, voir si tu arrives à l'entendre. 14 ODR 007, QRZ local, le chameau, en avant. Donc là, la station du Québec, il me semble que c'est Gilles, 73 de 14 ODR 007, opérateur Florent et QRZ local, le chameau, comme le disait. Ok, bon, Florent, tu lui arrives trop petit, là. Voilà, son prénom d'opérateur, c'est Florent. Mais apparemment, tu passes trop petit, t'es peut-être pas dans le bon endroit, là, pour vraiment, vraiment cartonner, là. Rémi, je vais me fermer, pardon. Ok, vas-y, Florent, reviens. Bon, apparemment, Gilles, t'entends pas. Eric, t'entends pas non plus. Gilles, je vais passer QRT. Eric, je vais passer QRT avec Florent. On va changer de fréquence. On va aller sur le 27615, canal 17, Chameau. Ok, reçu. Ok, reçu, pas de soucis. Bah, 27605, canal 16. Bon, ok, d'accord. Est-ce que t'es rendu là? 27605, canal 16. Non, je suis là. 27605, canal 16, il y a du monde. Ok, voilà, tu es là? Ok, voilà. Eh bien, tu vois, comme chaque jour, là, depuis les environs de 14h, 14h30, dans ces environs-là, eh bien, on est tous là sur le canal 18, 27625, en QSO avec le Québec. Je suis sur la petite route et donc du coup je me suis mis sur le canal 18 comme je sais que de temps en temps tu vas plager un petit peu là-dessus, voilà, chien. Voilà, je me suis recalé un petit peu sur toi. Ok, ben aujourd'hui c'est une propagation qui est assez moyenne. Et d'autant plus on a les pays de l'Est là qui nous arrivent, ce qui fait qu'on est un peu moustaché là de ce côté-là. Plus une petite balise qui balaye la fréquence. Les gens se suivent et se ressemblent pas, mais on arrive à se parler quand même avec le Québec. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il faut un petit peu de puissance quand même. Je fais avec quand même ça.
c'est un 10 FM, voilà, que j'ai entendu l'appel, mais tout seul, voilà. Je parlais tout seul, voilà, c'est ça. Si c'est en fin de matinée, effectivement, j'étais pas là, moi. Voilà, il a fallu que j'aille sur Libourne, justement, là, pour voir, là, pour la moto. Enfin bon, bref. Donc, autrement, avant ça, c'est curieux, parce que j'étais sur le 19, puisqu'il y a même Jean-Paul qui a fait une petite apparition depuis un autre poste, depuis le RCI, je crois. Oui, c'est ça, oui. Ce matin, j'ai lancé un appel, il devait être, je vais pas dire de bêtises, aux alentours du 8h30, je crois. Ah oui, là c'est un peu tôt, là. Ah ben, il y a quelqu'un qui siffle à l'arrière. Oui, le siffleur en avant. Non. Il essaye son micro, je crois qu'il essaye son micro, ça doit pas bien fonctionner, ou alors je sais pas. Ouais, bon, c'est pas grave. Ouais, donc du coup, j'étais là un petit peu tombé. Moi, j'ai un espace de faire 2 km du côté de chez moi, parce que j'ai été commander mon poêle et tout ça. Donc hier, j'ai été à boulanger. Je commande enfin, plein de trucs là. Là, ça devient privé. Je coupe la vidéo.